on va essayer de résoudre l'exercice suivant. Lisez-le bien et essayez de le résoudre vous-même. Alors, étudiez si la fonction f admet un prolongement par continuité au point x0. A, x0 est égal à 0. C'est l'expression d'IL f de x. La première chose qu'on va essayer de faire est se débarrasser d'un x. Pour appliquer le nombre dérivé, ou bien pour trouver la limite au moyen du nombre dérivé. Alors on a f de x. Et il faut mentionner que pour qu'une fonction admette un prolongement par continuité un point x0, c'est-à-dire que x0 ne doit pas appartenir à d de f. Là, on a et 0 n'appartient pas à d de f. Et la deuxième condition, il faut, quand on calcule la limite de f de x quand x tend vers x0, on doit trouver une limite finie, on doit trouver L. Un L qui appartient à R. C'est-à-dire on ne doit pas trouver l'infini, plus ou bien moins l'infini. On a f de x est égal à 1 plus x à la puissance n moins 1 moins nx, le tout sur x carré. Alors, qu'est-ce n pour pouvoir factoriser. Alors, 1 زائد x plus n ناقص 1 plus n, ça va me donner 1 زائد x moins 1 facteur de 1 plus x plus n moins 1 plus 1 plus x plus n moins 2. Oui, machin. Tad 1 زائد x plus 1 moins nx, le tout sur x carré est égal à 1 moins 1 donc 90x facteur de 1 زائد x plus n moins 1 jusqu'à plus 1 moins nx, le tout sur x carré est égal à, donc je factorise par x, ça va me rester ici 1 plus x à la puissance n moins 1 plus 1 plus x à la puissance n moins 2 plus 1 plus x plus 1 moins n le tout sur x carré. Donc je simplifie par x numérateur ou ma dénominateur, ça va me rester juste cette expression là. Alors maintenant je calcule f de 0. Donc f de 0, ça va me donner 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois n moins n, ça va me donner 0. Donc je peux appliquer, je peux trouver la limite au moyen de nombre dérivé. Alors je considère la fonction en pose. Par exemple, g de x est égal à de l'expression de l'indénaire. 1 زائد x plus n moins 1 plus 1 زائد x plus n moins 2 plus et machin jusqu'à 1 moins n. On a g de 0 et là on a 0 à les termes n moins n, donc on a 1 زائد 1 زائد 1, combien de fois n fois moins n, ça va donner 0. Alors on a g est dérivable sur r et on a g prime. هذه يمكن لك تكتبها على شكل ان سوم دو سيغما باش تعرف تضمن لا ديريفاسيون تاعها. دونك هاد جي دو اكس كتساوي لا سوم دو سيغما
Donc, de 1 plus x au ska. Donc, on est badin, badin, moins n. Tiens, il y a un peu de trait. La trait, ça va être qu'on a moins 1. Donc, mon cas qui est oui, 0 jusqu'à n moins 1. G est dérivable sur R et on a G prime de X qui est A. Donc, à de la somme jusqu'à N moins 1. Donc, on a 4 dérivés à l'intérieur. Donc, dérivation de l'IA. Donc, on a jusqu'à fois Z X jusqu'à moins 1. Dérivé de 1 à 0. On a rattrapé. من كاكي يساوي واحد لأنك واخا تبدا من زيرو غتعطيك التعبير غيعطيك زيرو دونك ممكن تبدا من واحد دونك وبالتالي فاش جي بريم دو زيرو سافا دوني دونك ان باش تعوض بواحد غيعطيك واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد ان ان فوا دونك ان موان زان فوا دونك سافا دوني واحد زائد واحد زائد واحد دونك عدد هاد الوحدات ان ناقص واحد ناقص هذا واحد هذا هي n موان 2 زائد واحد هي n موان زان n موان زان وبالتالي ف يعني رجعوا لهنايا فالليميت لما x يؤول إلى الصفر دو f دو x كيساوي لنا ليميت لما اكس يؤول زيرو ابخي سامبليفيكاسيون بقات عندنا جي دو اكس موان جي دو زيرو لان اختزلنا باكس في البسط في المقام سو اكس موان زيرو تساوي لنا جي بريم دو زيرو تساوي لنا ان موان زان. Pour l'exercice suivant ou bien la question suivante, on a alors mais il faut mentionner qu'alors f admet un prolongement. Est-ce qu'ils ont alors donc il admet un prolongement par continuité au point S0 défini par la norme de la boîte.